Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est pour une nouvelle vidéo tuto sur Minecraft, hein, vidéo tuto sur Minecraft. Hein. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en avez marre des realms à 10 joueurs, que vous voulez vous aussi pouvoir profiter de l'expérience de vrais gros serveurs sur votre console, donc que ce soit Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox, Xbox Series, n'importe quelle console à part les téléphones et les PC, parce que vous n'avez pas de soucis pour rejoindre les serveurs. Peut-être que vous connaissez les techniques via des applications Android avec votre console, le Wi-Fi, etc. qui sont bien compliquées et bien chiantes et qui marchent pas, d'ailleurs si vous n'avez pas d'Android. Donc là c'est fait pour vous, vous aurez besoin juste de votre console et rien d'autre de plus, c'est gratuit. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment ça marche. Je vous ai fait le tuto via l'interface d'une Xbox, mais ça marche exactement pareil. Donc vous allez sur votre console, vous allez dans les paramètres. Ensuite, vous vous débrouillez pour trouver les paramètres réseau. Ensuite, dans un mode avancé ou configuration de réseau, ce que vous trouvez, qui a les paramètres DNS. Et là, c'est ça qui nous intéresse. Dans ces paramètres DNS, vous passez en mode manuel. Très important. Sur le DNS principal, vous mettez 104, 238, 130, 180. Ensuite, vous allez avoir un DNS secondaire. Ou sur celui-ci, vous devrez mettre 8, 8, 8, 8. Un 8 par case, d'accord? Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à relancer le jeu, aller dans vos serveurs classique, vous verrez, hein, Pixel Paradise, Livebot, etc. Là, vous voyez que tous les serveurs sont à 0 sur 20, c'est normal, hein, normal. Vous rejoignez, ça va charger, et là, vous allez avoir une nouvelle interface que vous n'avez jamais vue auparavant. Donc là, vous retrouverez toujours vos serveurs, hein, principaux pour les rejoindre. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est rejoindre un serveur qu'on n'a pas. Donc, on fait Connect to Server, ça charge. Et maintenant, ça vous demandera de mettre l'IP de votre serveur, le port de votre serveur. Là, je vais pas vous apprendre comment faire, hein. Et d'ailleurs, nous ouvrons demain à midi notre premier serveur sur Minecraft Bedrock, du coup, jouable par n'importe quelle version de Minecraft Bedrock. Vous pourrez le rejoindre. Un trailer sortira demain à son effigie. On vous en parle déjà dans une vidéo qui est sortie il y a quelques jours. Je vous la mets aussi dans la description. Donc, si vous regardez cette vidéo plus tard, bien entendu, notre trailer sera déjà sorti. Une fois que vous avez rentré tout ça, vous pouvez mettre un titre. Vous cochez la case « Add ». Server list, comme ça à chaque fois que vous allez dans votre liste vous le retrouverez, hein. Sinon vous devrez rentrer toutes les coordonnées à chaque fois. Donc là on voit que ça se connecte au serveur, on voit que ça charge les ressources, etc. Vous n'aurez rien à télécharger, ce sera directement le serveur qui prend en charge tout ça. Bien entendu là ça ne marche pas, ça met des connexions, hein, du serveur, vu que pour le moment notre serveur est arrêté et sera lancé à partir de vendredi 11 février à midi. Donc si vous regardez cette vidéo dans 2 ou 3 jours, ben, le serveur sera déjà ouvert et vous pourrez le rejoindre. Le Discord de notre serveur est directement dans la description. Si vous voulez en savoir plus, comment ça marche, avoir plein d'informations et nous poser des questions, ce sera avec grand plaisir. Sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura bien aidé. Et moi je vous dis à la prochaine, allez salut!